Montchavin faisait partie de Bellentre. Après la Révolution, la France envahit la Savoie. Le département du Mont-Blanc fut alors créé. Bellentre est chef-lieu de canton. À cette époque, Mâcon a pour nom Riencoteau, Hauteville, Pente-Rude, Moutier, Mont-Salin, Pézenancroix est nommé Mont-d'Argent et Bellentre s'appelle Entrébelle. Au cours des siècles passés, la Savoie, comme beaucoup de régions de montagne, a été une terre d'émigration. Voici un commentaire extrait de l'ouvrage « Colporteurs et marchands savoyards » de Chantal et Gilbert Mestre. Ces banales remues d'hommes ont pourtant suscité une surabondante iconographie sur le thème des petits savoyards. Les gagnes-deniers sont alors exclusivement représentés en joueurs de vielle, en montreurs de marmottes, en présentateur de lanternes magiques et bien sûr, en ramoneur. Ce regard d'artiste sur de pauvres airs résulte plus du goût du pittoresque que d'un souci d'exactitude historique. Dans l'imagerie française des migrations, le ramoneur est à la Savoie ce que le bougnat est à l'Auvergne ou le maçon à la Creuse. Le folklore savoyard lui-même a repris ce stéréotype, bien que les ramoneurs n'atteignent pas un 1/15 de l'effectif total des migrants. Au XXe siècle, les migrations saisonnières deviennent plus rares, mais existent encore. Au village de Bessan, les hommes sont taxis à Paris l'hiver et reviennent aux champs l'été. Le métier de taxi, c'est à peu près le seul qui nous permette de faire à peu près ce que l'on veut au point de vue temps. Comprenez, moi, à Paris, je sors, je suis mon maître, et ici, je viens quand je veux, je repars quand je veux, et vous savez, pour un Savoyard, la liberté, c'est ce qui n'a pas de prix. Dès 1960, l'or blanc a révolutionné la montagne et beaucoup de Savoyards rentrent au pays. Mais revenons à Montchavin qui appartenait il y a peu de temps encore à la commune de Bellentre. Bellentre est située de part et d'autre de l'Isère. Sa population est dispersée dans différents hameaux. Alors, les hameaux les plus importants à ce moment-là, c'était Montorlin, qui était le plus grand hameau. Bon Conseil. Ensuite, après, il y en a plein, le Villard, Gothard, le Rocheret, le Cray, le Rocheret, les Granges, je crois que c'est à peu près tout. On peut rajouter le Grand Baucher sur la route de Montchavin, et bien sûr, Montchavin. Bellentre et Montchavin ont toujours été voués à l'agriculture de montagne. On cultive pour sa propre consommation, on possède quelques bêtes, et de juin à septembre, on monte en alpage. Et voici Serge Favre, il y a 35 ans. Mais, touche pas. Tu peux partir à ton coiffeur, toi. Comment t'étais payé là? T'étais payé à la bête? C'est moi qui me faisais payer. À l'époque? 300 francs, à ce moment-là. Donc t'emmenais la bête et voilà. Tu la rendais et tu donnais 300 francs. J'ai rentré à faire cette il me payait. Les brebis, c'était. Je me rappelle plus les moutons. Et puis il y avait le troupeau de chèvres aussi, quoi. On vivait ainsi au rythme des saisons. Pendant les longs hivers, on soignait les bêtes, on menuisait pour réparer le matériel. Pour faire face à la dureté de la vie, on occupait souvent un second emploi. On était mineur à la plagne. Apaisés. On était bûcherons, maçons. On travaillait à la construction des grands barrages, comme le barrage de Tignes ou celui de Roseland. À la fin de ces grands travaux, apparaît le plan neige qui va révolutionner la montagne. De 1964 à 1977, l'État créa avec le plan neige plus de 20 stations dans les Alpes. Les textes officiels précisent alors que ce plan doit déterminer un concept de station d'altitude très fonctionnel, fondé sur un urbanisme vertical. Un urbanisme vertical, c'est le terme employé officiellement. On voit alors s'ériger des immeubles, tels le paquebot des neiges, AM2000, avec 800 appartements, 100 commerces et 3500 skieurs potentiels. Non loin de là, Roger Godineau aménage les arcs, Laurent Chapy, agence Courchevel.
et Jean-Paul Labourette, les menuirs. Val d'Isère et Chamonix font partie de la première génération de stations, de la génération des villages existants qui ont créé leur domaine dans leur environnement proche. Laurent Guillaume, dans l'émission de FR 3 Midi en France, résume les différentes générations de ce plan neige. Après la guerre, là c'était le plan neige sous l'impulsion du général de Gaulle. Il fallait reconstruire la France, alors on a fait la deuxième génération de stations là où il n'y avait rien. C'est Courchevel, c'est les Arcs, c'est la Plagne, c'est les Menuires juste à côté par exemple. Et puis dans les années 70, troisième génération, là on a encore soif de neige vierge, de soleil, on va encore plus haut. C'est Val Thorens par exemple, hein. Ce sont des stations satellites construites encore plus près des sommets. Et dernière génération, dans les années sportives, plus sportives, ouais. Où on pensait vraiment qu'au ski, et ben là, on commence à préserver. Les années 80, quatrième et dernière génération, on redescend à des altitudes un peu plus basses. On refait des vrais faux villages, qui sont neufs, mais qui reprennent les fondamentaux du village. Il y en a trois, hein, Valmorel, Sainte-Foy-Tarentaise et Valmeyer. Et depuis, c'est le statu quo, plus rien. On ne crée plus de stations de ski. Il y en a bien assez comme ça. Avec ses 4000 remontées mécaniques, la France est quand même le premier parc de remontées mécaniques au monde. La station de Montchavin n'est pas citée dans ce reportage. Pourtant, elle a été aménagée avant Valmorel par le même architecte Michel Besançon. Voici son histoire. Montchavin était donc un hameau de la commune de Bellentre. En 1970, il restait surtout des maisons délabrées, en dehors des trois ou quatre encore habitées. Quand Fortuné s'est marié, pour qu'on puisse passer dans le village, ils envoient les voitures des mariés. Ouais. La veille, mon frère et moi, on a fait tomber avec une grande perche toutes les lots qui étaient prêtes à tomber des toits, pour pas tomber sur les mariés. Oh ben, c'est pas déconné. Les gens, ils descendaient avant Saint-Maurice au marché, s'ils trouvaient quelqu'un pour acheter leur masure, ils la vendaient. Oui, oui, oui. Ouais. Et les maisons qui ne sont vendues rien. Rien du tout. Rien du tout. Et de regretter, les gamins. Ben oui. Oui, mais vraiment rien. Donc c'était donné. Ah oui. Ce que tu m'as dit, toi, il y avait cinq familles, à ton avis. Moi, même pas, mon chaval. Ou non, Gastonnet, Gaston Favre. Gaston Favre. Mireille. Mireille n'était pas. Mais, sa mère, non, non. Sa mère. Sa mère, oui. La mère Mireille. Elle avait la petite maison que t'as connue. La Catherine. Et puis Catherine. Catherine, oui. Mettons, sa famille. Serge Favre et Gaston Clément Guy, nés ici, évoquent des souvenirs légèrement contrastés. La seule chose qui nous manquait pour moi personnellement, c'est qu'on avait faim. Oh, j'ai pas honte de le dire. Ah, vous aviez faim? Ah, ouais, on avait passé à bouffer. Et encore, nous, on était une grosse famille. Hein. Mon père, il avait un gros troupeau de vaches. Mais ah oui, à la toutes ferme. Les années, à il y avait des bêtes, il y avait les beurres, il y avait les œufs des poules. Toutes les années, à l'automne, il tuait un âne, on faisait des saucisses, puis la viande pour tout l'hiver. On tuait des chèvres ou des brebis, donc on avait encore de la viande. On faisait tout notre tombe, puis on vivait beaucoup avec du lait dans les pâtes, dans la polenta et tout. Mais on a quand même eu faim. Si, si. Ah bon? Si, si, ça a été très, très, très. Tu te souviens que tu as eu faim? Ah oui, quand même, on a eu faim, si, si. Est-ce que vous êtes originaire du village, vous là, de Montchavin même? Je suis né, oui, c'est moi. Vous êtes né à Montchavin. Et la ferme dans laquelle vous êtes, c'est la ferme dans laquelle vous êtes né? Non, c'est l'autre vieillant. Je suis né là, derrière les vacheries. Et vous avez toujours habité là? D'abord, oui, oui, oui. Et après, vous êtes parti un moment de Montchavin? Jamais. Si, je suis parti, oui. Je suis parti quand j'étais à l'armée. À l'armée? Ah oui, mais autrement, vous êtes... Toujours resté ici. Et vous avez toujours été agriculteur? Ben oui. Vos parents aussi? Mon père, il était mineur. Il a commencé à la Plagne dans cette poison de minerai, là. Ah ouais, le minerai, le plomb, la Plagne. Oui, il est décédé, il avait quoi, 60 ans. Puis après, il a fini sur le barrage, là, qu'ils ont fait pour redescendre l'eau du barrage de Tignes. Ouais, pour les travaux du barrage de Tignes. Barrage du Chevril, là-haut, oui. Serge Favre m'a dit que lui, quand il était petit, enfin il est plus jeune que vous, mais quand il était jeune, il se souvient d'avoir souffert de la faim. Non, chez moi pas, parce que mon père a toujours travaillé. Toujours travaillé, en haut par la Plagne, à la mine, il a toujours travaillé. Ça faisait un apport supplémentaire. Oui, puis lui, la culture, c'était pas trop beau, c'était pas trop son jeu. Oui. Non, il n'était pas élevé là-dedans. Il préférait être ouvrier, quelque part. Ouais. J'allais à l'école presque que l'hiver, parce que la bonne saison, il fallait aller dans les champs. Oui, sortir les moutons, c'est là. Vous êtes allé à l'école jusqu'à quel âge? 12 ans? Non, bien 14-15 ans. 14-15 ans? Oui, j'ai jamais compris grand-chose. Alors, j'ai jamais... Parce qu'on n'allait pas, à l'école régulièrement. Voilà. Oui, bien sûr.
Donc vous n'avez pas un mauvais souvenir de la vie de petit campagnard à Montchamin? Non, il a fallu travailler, quoi, bonheur. Ouais. Puis c'était pas que moi, c'était tout le monde, quoi, toutes les familles, il fallait travailler. Moi, tu sais, je suis né à la ferme où il y a le restaurant maintenant. Quand on rentrait à la ferme, à droite, tu avais la table, à gauche, tu avais le lit du père avec le poêle, père et la mère, et à côté, tu avais un lit pliant. Le dernier de nos enfants, de mes parents, il couchait là. Et nous, dès qu'on avait 10 ans, c'était à la grange, sur une paillasse en paille, avec deux ou trois couvertures, c'était comme ça. Mes deux frères avant moi, Paul et Aimé, ils ont fait comme ça, et moi j'ai fait pareil derrière. Quand on descendait de Tignes, nous, en taxi jusqu'à Bellante, ouais. Arrivé à Bellante, on montait à pied, Bellante, mon cheval, je te le jure, sur la tête de mes petites filles qui sont là. Par l'ancienne route, là. Oui, par l'ancienne route. Arrivé là, on montait sur le toit déneiger la neige, parce qu'il y avait des 1,50 m, 2 m de neige, et le lendemain matin à 5h, on partait à la course en bas à Bellante, prendre le taxi qui nous remontait au boulot à Tignes. Pour se faire 4 sous, tu sais ce qu'on faisait le soir? Moi, j'allais travailler à un tire-fesse de nuit. Et le gars, il avait l'hôtel Bock, Léon Bock, il s'appelait. Il avait l'hôtel, et il me donnait le repas du soir et le petit déjeuner le matin. Je payais pas, et je faisais travailler le tire-fesse jusqu'à 9h le soir. Et quand vous étiez petit, il y avait combien d'habitants ici, à Montchamin? C'était plein. Il y en avait quelques familles. Il y en avait. C'était tout travaillé, les terrains partout, c'était... Ah bon? Oui. Il y avait quand même du monde. Ah oui, oui, parce que tout le monde avait ses 3-4 vaches, des trucs comme ça. C'est ça. Qu'après, ben, les petits ils ont crevé, et les gros, ils sont plus gros, quoi, comme on dit. Il y avait qui alors, les Richard Mauss? Dites-moi, redites-moi. Oui, ça. Richard Mauss, il y avait les Villains, déjà des grosses familles. Après, tu avais encore chez mon oncle Gaston Fabre, là. Oui, bien sûr. Ils étaient aussi 5-6 aussi. Oui. Donc le village, il y avait quoi, une cinquantaine de personnes? Oh, plus. Plus que ça? Ah. En quelle année à peu près? Dans les, qu'est-ce que, 72, 60, dans les 60, 65, par là. Ah, le moins qui était ici, le moins de personnes, souvenez-vous, dites-moi. Je peux pas trop vous dire, c'est parce que ça tombait des mois, qu'il y avait moins de personnes en janvier, il y en avait qui étaient en bas. Ah oui. Puis au mois de mars, ils remontaient. Parce qu'on avait du foin en bas, on avait du foin en haut. Et... D'accord. Ouais, oui. Il y avait le père Suzanne qui était là tout l'été. Tous les terrains qu'il y a par là, il n'y avait pas 200 mètres de terrain pas fauché. C'était fauché de partout à ce moment-là. Tout était fauché. Tout à la faux et le barillon et tout ça, mais c'était plumé partout parce qu'on était nombreux, alors il fallait tout son morceau. Quoi. Il fallait vivre. Oui, donc... C'est pas quoi, souvent on disait un pays qui allait crever. Gaston se souvient des années fastes. Mais en 1970, il semble qu'il ne restait que 5 familles. Quand tu vois que Montchalin, il restait 5 personnes. Mon père, ma mère qui sont décédées malheureusement, la mère Clément Guy, Gastonnet et Louise qui sont encore là vivants heureusement, sur 80 quelques années. Il restait 5 personnes dans le village. 5 personnes ou 5 familles? Laissant trancher ceux qui habitaient alors à Montchalin. Environ à la même époque, donc, se prépare le grand changement pour ce petit coin de montagne. Le but c'était de fédérer, vous aviez déjà dans l'idée de faire quelque chose à partir du plan neige? Exactement, le plan neige était un peu l'élément qui a sûrement animé l'ensemble des communes, et puis le fait que donc on était dans une période où les grands travaux des barrages étaient terminés et il y avait besoin de trouver des emplois pour les jeunes. Le syndicat intercommunal de la Grande Plaine
a été constitué pour fédérer l'ensemble des communes qui constituaient le domaine skiable. Et ça remonte à quelle date? En 1960. Donc ce sont donc les maires de M, de Bellante, de Longchois et de Mâcon. Et il a été fondé à l'initiative de qui, ce syndicat? Je pense que c'est le docteur Borion qui en était l'initiateur. Et ce docteur Borion, il était docteur où? À M. Est-ce qu'il y avait d'autres personnages que... Je pense que le maire de Bellante était un personnage aussi qui a beaucoup œuvré pour la plaine. Il fallait reconnaître les potentialités du domaine. Donc je crois qu'il y avait une équipe constituée d'Émile Lallet et de Michel Besançon, puis sans doute encore d'autres personnes pour skier sur l'ensemble du domaine, pour voir si on pouvait réaliser une station, si le potentiel existait. Je pense que Serge Charles, qui était déjà peut-être moniteur à cette époque-là, était le responsable local de l'expédition. Monsieur Muserie, moi, elle m'avait désigné pour aller voir le domaine skiable. Toi, t'étais skieur. Oui, j'étais skieur. Muserie oui. N'était pas skieur. Puis on regardait les risques d'avalanche, vous voyez, sur Promain, sur toutes les zones avalancheuses. Et c'est moi qui le conduisais avec ma 4L. Dans les forêts, on passait en plan gagnant, les plan bois, tout ça, vous voyez, pour regarder partout, les bauges, tout ça. Voilà. Il y a eu un plan qui a été élaboré. Et en ce qui concerne Bellante, c'était donc Belle Plaine, qui était la contraction de Bellante et de Plaine, qui devait être, où devait être édifiée la station de Montchalin. Mais alors, ce premier projet là, aux bauges, qui est-ce qui l'avait élaboré? C'était l'architecte Besançon. C'est l'architecte Besançon, qui était l'architecte urbaniste de la Grande Plaine, qui était à l'origine de ce projet. Ce projet devait donc se situer dans le vallon des Bauges. Une carte avait été dressée et les remontées prévues rejoignaient le Doron, le Carolet, et d'autres partaient en direction de la pointe du Friolin et de Roche-de-Miau. Comme on le voit, le site des Bauges est très encaissé. Des pentes en forme de V enserraient étroitement le Nant Bénin qui coule en fond de vallée. Voici le plan élaboré pour ce premier projet, tout à fait dans le style des plus grands immeubles de la Plagne. Appuyé sur chacun des versants, ce gigantesque bâtiment ressemble à un barrage protégeant des avalanches quelques chalets disséminés. Justement, en cette année 70, il est question d'avalanches. La navette qui traversait entre Tignes-le-Lac et qui allait au Val-Claret, elle a été prise par l'avalanche. Elle a donc été basculée dans le lac. On allait chercher tous ces gens-là qui étaient décédés dans la flotte jusque-là, en pleine nuit. Puis, des trucs catastrophiques. Sur quelle année, ça? 70. Ah ouais. Et c'était Val d'Isère, le CPA. Le CPA, la même année. Et nous, de l'autre côté, on en prenait autant. Hein. Les plateaux d'acier, pas. Et on s'est rendu compte que le secteur des Bauges était avalancheux. Donc le projet était annulé. Oui, on n'aura pas de regret. Ensuite, on a choisi Montchalin parce qu'il fallait créer une route. C'était pas très loin de la route nationale. Donc le maire a bénéficié aussi de fonds du ministère de l'Agriculture pour la rénovation rurale. On n'était plus dans le cadre des stations de deuxième génération, mais plutôt de troisième génération, de stations-village, qui posait d'ailleurs un problème pour la SAP, puisque le ski à 1200 mètres, il ne croyait pas beaucoup. Le principal moteur, c'était Auguste Muserie, hein, qui avait une aura qui dépassait le département, et qui a su aussi chercher des partenaires, puisque la commune est devenue aménageur, c'est-à-dire que c'est elle qui a réalisé les infrastructures, la route, les réseaux d'assainissement, et puis l'eau potable, les adductions d'eau potable, et ensuite demander la charge foncière, donc au GER. La commune, ayant réalisé toutes les infrastructures, était remboursée des frais engagés lors de ces opérations. Elle chargeait le GER de la construction des immeubles et de la vente des appartements. Michel Besançon donc, a fait un avant-projet sommaire pour voir les mètres carrés qu'on pouvait réaliser sur Montchalin. Donc il n'était pas prévu de faire le projet d'aujourd'hui, qui est l'urbanisation de ce qu'on appelle le plan, puisque c'était des terrains agricoles les plus avantageux pour les agriculteurs.
Donc, ils avaient surtout regardé de construire sur l'épine dorsale de Montchamin, qui allait donc de Montchamin jusqu'au Champon. Voilà, où se trouve actuellement le Bastion, le Pommeret, etc. Exactement. Donc, le projet, à ce moment-là, on voit sur les plans, il y avait une ruelle centrale avec deux alignées de maisons de part et d'autre. Les escaliers montent, le village est dessiné du bas. À droite, on aperçoit la piste du Sauget, la route devant se trouver à gauche, comme actuellement. Cette fois, on regarde le Beaufortin depuis le Chanton. D'ici, on découvre l'épine entière depuis les tennis. Le télésiège est dessiné à l'emplacement de l'actuelle remontée. Cette arche n'est pas sans rappeler la porte de Montchamin. Mais tous ces croquis sont restés dans les cartons. Néanmoins, ils étaient plus proches du village actuel que de Belle-Plagne aux Bauches. Pourquoi a-t-on changé ce projet de l'épine dorsale? On est revenu là, tu disais, c'est pour l'agriculture. C'était le plus facile à réaliser, puisque déjà il a fallu trouver 15 hectares de terrain, 60 propriétaires, plus de 300 parcelles. Une fois que le projet a commencé, on s'est aperçu que c'était le lieu le plus favorable à l'expansion de Montchamin. Il a donc fallu tronquer les terres des derniers agriculteurs qui s'en souviennent encore aujourd'hui. Et vous faisiez un peu de blé? Oui. Vous en faisiez combien de blé? À peu près. On en faisait beaucoup parce qu'on en donnait aux bêtes et tout ça. Oui. On faisait de la ouane, on faisait un peu tout. Et ça venait bien cette altitude? Oh, tout le plateau là. Là, vous avez construit, c'était tout des champs, là. Eh oui. Eh oui. Alors, vous voyez ce que vous nous avez déjà enlevé comme terrain. À l'intérieur de la municipalité, donc, il y en avait des pour, il y en avait des contre pour la station? Non, non. On était tous pour. Hein. Oui, oui. Ça, c'était sûr. J'aimerais que tu me parles de tes parents. Comment est-ce qu'ils ont pris ça en se disant « ça va changer notre vie, tous ces gens qui vont arriver chez nous » Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, franchement, à l'époque? Bon, tu vas le voir, je vais me débrouiller pour trouver le DVD. Tu verras la conversation qu'un journaliste demande à ma mère et à mon père. Et mon père, il dit « de toute façon, si on n'avait pas eu le tourisme, on serait plus là, on serait tous crevés. » Et ma mère répond « oui, mais des fois, il y a un peu trop de monde. » Un peu trop de monde, quoi. Oui, donc les avis étaient partagés. Voilà. Mais elle, ils n'étaient pas contre la station, au contraire, ils étaient pour la station parce que tous les enfants sont tous revenus, t'imagines, dis donc. Tous. Oui, justement. Paul, il a fait des magasins de sport. Ouais. Fortuné, il a pu faire le restaurant. Moi, je n'ai pas fait de commerce parce que je n'ai pas voulu. Hein. Personne ne m'a empêché de faire une ferme avec quoi que ce soit. C'est parce que je n'ai pas voulu. J'ai préféré garder mes moutons. Mais ce n'est pas pour ça que j'étais plus malheureux. Hein. Est-ce que tu regrettes? Non, je ne regrette pas. Je voulais qu'ils fassent, au lieu de faire mon travail, qu'ils fassent aux couches. D'accord. Ça nous touchait déjà pas les terrains. Et en plus, l'altitude est un peu plus haute. Alors, la première réunion qu'il y a eu, c'est chez nous. C'est chez moi qu'ils étaient venus. Qu'est-ce qu'il y avait chez vous? Ben, il y avait le maire, il y avait... Chez Mudry? Mudry, il y avait le maire de Mako, Perrière. Mm-hmm. Les comment architectes, tout ça. D'accord. Ouais, ouais. Et là, ils vous ont proposé de racheter vos terrains. Quelle a été votre réaction sur le coup? J'avais dit non. Ouais. Non. Parce que vous, vous vouliez continuer votre vie d'agriculteur. Ouais, puis ils sont arrivés à me torpiller tout doucement. Après, il a fallu acquérir les terrains. Ou encore, j'avais été désigné avec René Clairaz pour évaluer les terrains. Voilà. C'était pas simple. Ça n'a pas trop été facile, hein. Parce que on avait défini des zones, vous voyez, à tel prix, à tel prix. Je voyais que c'était pas assez cher, peut-être. On a fait pour le mieux. Et les gens n'étaient pas tous d'accord, mais malgré tout, Michel nous a dit que personne n'a été exproprié. Non, non, parce que faut reconnaître quand même Mudry. Il était persuasif. Oui. Il était très populaire, hein. C'est vrai. Oui, qu'il était très populaire. Persuasif, c'est vrai qu'il. Mais ça a été dur quand même, hein, jusque. Dernier instant. Vous avez fait des échanges, donc des échanges. Des terrains. Sauf que je te dis, le problème, c'était que la commune, elle promettait des terrains dont elle n'avait pas encore la propriété. Oui. Donc elle a eu longtemps après. D'accord. Beaucoup de propriétaires, mais qui n'habitaient plus Montchamin. Donc le terrain n'avait pas vraiment d'intérêt pour eux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant Bellante, les gens avaient généralement deux lieux de résidence. Une résidence donc dans le fond de vallée, puis une résidence en moyenne montagne, puisque les troupeaux, avant de monter à la grande montagne, ils stationnaient d'abord dans les alpages.
C'est ce qui fait que les gens, il n'y a pas eu vraiment de contrainte à ce niveau-là. C'est l'immeuble qui a été construit le premier? Ben, c'est d'abord le VDF, en 1972. Ensuite, je pense, en résidence, en copropriété, c'est le Bastion. Le Bastion, immeuble emblématique chargé d'attirer le futur propriétaire vers ce site encore vierge. Puis ont suivi d'autres immeubles, la Rochette, les Roches, le Cray, le Jouvigner, et sur l'épine du Chanton, les Trois Glaciers, le Crédit Agricole et d'autres encore. Et je crois que le maire Auguste Maigri avait bien négocié avec notre aménageur, puisqu'on a pu disposer de plus de 200 permis de construire sur 20 ans qui ont été établis par le GER. Donc c'est un énorme avantage. Ce qui explique aussi que l'architecture de Montchalin est relativement cohérente, puisque c'est le même architecte qui les a faits. En effet, dans les projets écrits de Michel Besançon, on lit ce souci de respecter le style de l'habitat traditionnel dans les nouvelles constructions, à savoir les toits de pan avec une couverture grise qui rappelle les lauzes, les bardages et les balcons en bois, les entrées, les ouvertures et les passages voûtés, et les colonnes de soutien qui soulageaient la charpente du poids des lauzes. Au cours d'une promenade villageoise, on retrouve ces caractéristiques abondamment déclinées dans l'architecture actuelle. Tout n'a pas disparu de l'ancien hameau. On retrouve ici et là des traces d'un passé récent. Ce pain, il a été fait de camp à camp. Et ça s'est arrêté quand, ce four? Oh, bien avant, peut-être quelques temps avant la station. Oui. Et vous faisiez encore cuire le pain, là, oui. En 70? Oh, par là, oui. Alors, on se mettait 3-4 familles, et tous pour la semaine. D'accord. Et puis, à ce moment-là, il se conservait le pain. Le bois a toujours été important dans la culture savoyarde. On sculpte volontiers pour décorer l'environnement. On raconte que certains ne se privaient pas pour couper quelques arbres dans les communaux. Malicieusement, on appelle ce bois-là le bois de lune, car il a été dérobé pendant la nuit. Michel Giraud nous a raconté deux anecdotes. La seconde est une légende, mais la première, bien réelle, a durablement marqué les esprits. On va peut-être parler de quelque chose qui a divisé les habitants pendant des générations, voire des siècles. C'est la montagne de la Tiope, qui était que les propriétaires du versant avaient acquis par un don de deux femmes qui étaient mortes à Montagne.
ce qu'on appelle une montagne à vaches, c'est-à-dire qu'il pouvait accueillir des vaches, alors que sur Bélante, avec le Carolet, qui était une petite montagne. Donc cette montagne a divisé les Bélantrais, puis seulement les gens du, ce qu'on appelle du revers, pouvaient y aller. Pas les gens du plan. Il n'y avait rien d'écrit hein, quand ces dames de Montorlin, elles ont donné, il y avait quelque chose d'écrit, non? Ben si, il va avoir un testament. Si. D'accord, mais c'est quand même vague, aux gens de... Ben, de qui habitaient et qui avaient une cheminée qui fume. Quand la station s'est montée, certains propriétaires, pour exclure les nouveaux, ont changé le règlement. Et si tu veux, le problème, c'est que la sous-préfecture, ils avaient validé. Et on avait du mal à faire valoir que c'était une propriété qui ne leur appartenait pas. Jusqu'au moment où j'ai eu de la chance, c'est ma secrétaire de mairie, un coup, qui achète un bouquin, je lis, puis j'ai vu qu'il y a une possibilité en faisant un référendum. C'est là que j'ai occasionné... Un référendum local, j'ai fait faire un référendum, et tous les gens qui avaient des propriétés sur le revers avaient le droit de voter. Pas seulement ceux qui habitaient, tous ceux qui étaient propriétaires. Ce qui fait qu'à 80%, les gens étaient d'accord pour donner la chauve à la commune. Et vous voyez, mais quand même, moi je me souviens, mes parents, comme ils venaient un petit peu du revers, ils avaient une maison à Montorlin, on avait droit à mettre 3 vaches à Montagne de la Chaupe. À l'époque, c'était vieux ça, vous savez, c'était sûrement dans le règlement. Ouais, et puis eux, ben, ils ont tout aboli. Il y a eu des procès. Alors, nous tous, bon, on avait tous des vaches ici, vous savez. Eh bien, on n'avait plus le droit après de mettre les vaches à la Chaupe. Alors après, on les mettait sur Tignes, nos vaches, ou sur la Plagne, vous voyez. On pouvait. Après la Chaupe, ben, ils l'ont loué. Elles sont disputées, les montagnes, la montagne pour la transhumance. Moi, maintenant, je suppose, mais avant. Non, mais là, ça a été vraiment un sujet de. Oui. De différent pendant des années entre les gens du bas et du haut. Mais vraiment, sérieux. Quand les gens arrivaient au bistrot, les gens d'en haut du bas, ils allaient boire un coup, dès qu'il était un peu chaud, c'est la Chaupe, ça venait sur le tapis. Hein. C'est vrai. Et l'anecdote, la deuxième, c'est aussi la. Qui a fini par se réaliser aussi par la fusion des communes, c'est la source de l'Indu. Puisqu'il y avait une source qui était en limite avec la commune de Mako. Donc chacun souhaitait être propriétaire de cette source. Et puis donc, c'est Bélan qui a gagné grâce à un subterfuge, d'après la légende. Ils sont allés en procession avec le curé devant. Ils ont demandé à qui appartenait la source. Donc, selon la légende, raconté par un Macotet, donc ce qui donne un peu de vérité, il y avait un homme caché dans un arbre creux qui a dit qu'elle était Bélante. Mais cette source a eu une grande importance puisque c'était la source principale qui alimente la station des Coches. D'accord. Mais pour finir l'histoire, bien longtemps après, une trentaine d'années après, à la commune de Mako, comme on était en limite, a fait le captage en amont sur son territoire. Et alors que le besoin d'eau des Coches se faisait sentir, je fais faire une prospection dans le secteur, la source avait diminué de moitié, puisque comme la limite était en travers, donc Mako s'est approprié la source. Donc on a eu de la chance, parce que c'était une grosse source, et en faisant des recherches, on a retrouvé une source à côté. Alors, concernant les noms de rue Montchavin, c'est récent, puisque pendant très longtemps, comme tu le sais, il n'y avait pas de nom de rue. Ça a été décidé avant 2014, parce que c'était sous le mandat précédent. Les noms de rues ont été essentiellement choisis en fonction des noms de lieux. Par exemple, la rue du Plan, son cadastre, c'est le Plan. Un comité avait été nommé pour essayer de trouver des noms de rues. Il y avait 4-5 personnes qui s'étaient réunies, soit en prenant des lieux, alors avec une petite histoire, soit en prenant des noms existants, ou alors en inventant. Par exemple, la montée du Paradisio, c'est la montée qui va à la piscine. Et ça n'existait pas avant. C'est parce que la piscine s'appelle comme ça qu'ils ont choisi ce nom-là. Après, je sais que Christophe Lacroix, le boulanger, il me semble que c'est lui qui est à l'origine de la montée des Tsavanias. Tsavanias, c'est Montchavinois en patois. D'accord. Voilà. Alors, un Montchavinois, c'est un Tsavanias. C'est ça. Et Montorlin aussi se dit, par exemple, Torlin 7. Et puis, il y a des noms qui ont été choisis en fonction d'une petite histoire. Parce que dans ce comité qui s'était réuni pour trouver les noms, c'était essentiellement les anciens du village qui habitaient. Donc, c'est aussi leurs souvenirs de jeunesse qui ont fait qu'on a le passage de la Catherine. Et pour l'autre nom qui t'intéresse, c'est-à-dire la rue des deux fusils, c'est des souvenirs plutôt côté Paul Favre. C'était lui qui tenait à ce nom-là. D'ailleurs, cette rue, elle va chez lui. Concernant cette rue, c'est donc les souvenirs de Paul
Alors, il ne les a pas vécues, c'est son père qui lui a raconté, Gaston. Apparemment, quand, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands seraient quand même arrivés jusqu'à Montchavin. Et quand ils sont arrivés, Gaston avait, comme beaucoup de gens du coin, enfin quelques-uns, des fusils. Il a eu peur de se faire prendre avec ses fusils. Donc, quand les Allemands sont arrivés, dès qu'il a vu un buisson d'ortie, hein, c'est ce qu'on m'a raconté, il a acheté ces fusils-là. Après, sur la plaque, c'est marqué rue des deux fusils, mais ce serait une erreur à l'impression. Il avait peut-être plusieurs des fusils, pas que deux. Et pour le passage de la Catherine, ça c'est vraiment Mireille qui m'a raconté, c'est vraiment des souvenirs d'enfance du côté de Mireille et Gastonnet, où ils se souvenaient gamins d'une dame pour elle âgée, mais qui n'était peut-être pas si âgée que ça, qui était pas très bien habillée, plutôt sale et très très pauvre, qui passait toujours de ce côté-là, puisqu'elle habitait, d'après Mireille, dans ses souvenirs, plutôt dans une écurie. C'est pas quelqu'un de très heureux ni de très riche. Et c'est en souvenir de cette dame qui serait morte quand même vieille à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice. Puisque quand Jacou, le mari de Mireille, est devenu garde champêtre puis policier municipal, avec René Broche, employé communal, parce que c'était une tante de ce René Broche, ils ont décidé de l'emmener à l'hôpital pour qu'elle finisse bien sa vie. Donc, voilà. Et alors dans les noms traditionnels, j'ai eu rue des Alpages, par exemple, montée des Alpages. La montée des Alpages, c'est la rue qui part de Montcharin, qui va directement, là maintenant, sur le domaine skiable. C'était certainement là que partaient les troupeaux de moutons. D'ailleurs, il y a encore la ferme de Serge, il n'y a pas si longtemps, qui est exploitée à cet endroit-là. Donc c'était vraiment le point de départ des sentiers pour monter en altitude. Et c'est vrai qu'après, comme il y a plein de petites ruelles, elles ont bien toutes des noms. J'ai vu qu'il y avait l'impasse des moutons vers les restaurants du vieux village. Il y a la rue du Barillon. Le Barillon, tu parlais de nom traditionnel, c'est la botte de foin hein, qu'on appelle le Barillon. Voilà, il y en a quelques-unes comme ça. Devant le chalet du Sauget, arrivait le premier télésiège de Montchavin. Nous y rencontrons Gérard Rochet, le propriétaire des lieux, qui fut chef pisteur, responsable des pistes, pendant 36 ans. Tu as commencé pisteur à quel âge ? 18 ans. 18 ans, ouais. Donc tu as travaillé à Tignes, es-tu revenu donc au moment de la construction de la station ? Eh bien, 2 ans à Tignes, non, peut-être un peu plus tard à Tignes, enfin 19, peu importe. Non, après l'armée. Et Monsieur Mudry avait besoin de personnel, puisque c'est lui qui recrutait à ce moment-là, sous le couvert de la plaine, mais c'est lui qui recrutait le personnel des pistes, des remontées, et il avait besoin d'une petite école de ski, il avait besoin de quelques commerçants, donc ça s'est passé comme ça. À cette époque-là, donc, il y avait beaucoup de pistes à Montchavin ? 2. On n'était pas relié à la plagne ? Pas du tout. Du tout. Et on descendait difficilement à Montchavin déjà la première année. Tu avais combien de pisteurs sous tes ordres ? 4. 4 pisteurs. Tu te souviens de leur nom ? Bien sûr. Jean-Guy Broche, Serge Trezalet et Alain Marchandet. Vous disposiez de quoi pour damer les pistes ? Alors au départ, on avait un Ratrac, la marque Ratrac. C'était un SR5, ces engins tournaient à l'essence, des moteurs essence. Et d'ailleurs, quand on a été relié à la plagne, on avait un seul engin qui n'était pas équipé de peigne, de fraises, de quoi que ce soit. On donnait davantage de fortune. On donnait surtout à pied les pisteurs, les quelques pisteurs que nous étions. Mais à la plagne, ils le faisaient aussi, à pied. À pied en écrasant la neige avec les skis ? Oui. Avec les skis. Il y avait des rouleaux aussi. En escalier, quoi. Oui. Les rouleaux plus tard, et puis le grillage au printemps. C'était quoi le grillage ? Le grillage, c'était un élément un peu plus grand que la table, là. Un grillage. Dans que un vous cadre. Traîniez derrière. Qu'on traînait pour lisser la neige de printemps. Et un temps. Non, c'est celui qui a fait ça une fois. On ne sera plus jamais. D'accord. Mais c'était efficace. Est-ce que tu peux nous parler de ce monsieur Marzoff ? On a vu qu'il y avait une piste qui avait son nom, etc. C'était le boss, pour employer un terme. Qui était formé par Émile Allais. Qui était formé par Émile Allais. Et à la plagne, il était. C'était le boss, respecté de tous. D'accord. Il a appris à tout le monde le métier.
et quelques personnes de Montchavin et tous les gens de la plaine, respecté dans son job. André Marzolf est aujourd'hui décédé. Filmé en 1998 par Pierre Plinat, il raconte comment a été relevé le tracé du téléski de Pierre Blanche. Tracé de ce fameux téléski de Pierre Blanche. Monsieur Marzolf explique que les géomètres, postés à Granier sur le versant opposé, la nuit, faisaient des visées grâce aux lumières que les pisteurs, parfois grimpés aux arbres, brandissaient courageusement. C'est comme ça qu'on a réussi à tirer l'alignement de ce téléski, qui plus est, faisait un angle au départ, parce que oui, des problèmes de piste. On l'a connu, nous, avant. Voilà. Et ça, ça a été difficile. Hein. On avait du mal à couper les arbres. J'étais bien avec Monsieur Bavard, le garde des eaux et forêts. J'avais carte blanche avec lui, donc on pouvait faire des pistes, des accès-pistes, sans avoir l'autorisation suprême de l'administration. Après Plan Bois, la première piste, des travaux d'envergure façonnent la station d'aujourd'hui. Cette station, comme toutes les autres stations, ont été créées pour créer de l'emploi. Bien sûr. Aux gens du pays, au pays. L'objectif principal. Plus tard, il n'y a plus un effectif suffisant par rapport aux constructions des remontées mécaniques. Hein. Il fallait bien piocher ailleurs dans le personnel. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est la course au profit. Donc, sur Montchavin, on est en train de supprimer, on l'a dit. Hein. Par rapport à tout ce qui va se passer, si ça se passe, mais ça va se passer, sur un effectif de 120 personnes, on va en supprimer 40. Et finalement, maintenant avec le recul, quand vous pensez à cette station, vous, franchement, vous regrettez qu'elle ait été faite ou pas? Moi, c'est plus dur aujourd'hui qu'avant. C'est pas la même vie. Avant, on n'était pas réveillé la nuit, on dormait tranquille, maintenant c'est... La tranquillité, c'est terminé. Oui, et puis on est mal placé. Et si c'était à refaire, donc vous préféreriez rester comme vous étiez avant? Oui, 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 oui. Puis de l'autre côté, bon, vos enfants, Serge a été pisteur, Ginette a travaillé là-bas, ils ont trouvé du travail peut-être qu'ils n'auraient pas trouvé. Oui, ça, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est peut-être un côté qui est positif. Mais avant la station, ils ont toujours vécu. Moi, regardez, la station, elle a commencé en 72. Ouais. J'en ai élevé 6, la dernière, elle est de 71. Il n'y avait pas la station, puis ils ont mangé quand même, quoi. Oui. Ouais, vous n'avez pas le sentiment d'avoir besoin de ça pour vivre? Pas trop. Pourtant, depuis 1972, la station n'a cessé d'évoluer. Elle est désormais rattachée au domaine de Paradiski par le Vanoise Express. Montchavin ne s'appartient plus. Sa commune de rattachement, Bellentre, a été absorbée par Plaine Tarentaise. Le nom même de Montchavin a été supprimé de la benne du téléphérique. Les touristes, comme on les appelle, y viennent consommer le produit ski. Même si quelques-uns se croient un peu naïvement intégrés, ils grossissent la foule des étrangers venus skier dans ce petit village qui fleure encore bon la ferme et le pittoresque. Les jeunes de la génération de 72 sont bien installés. Ils possèdent commerce, bars et immeubles. Leurs enfants ont été perchman, pisteurs, moniteurs, avant de leur succéder. De ce point de vue, d'un point de vue économique, Montchavin est une réussite. D'autres, comme Gaston, regrettent le temps de la tranquillité et de la vie simple d'agriculteurs de montagne. Les premiers acheteurs, quant à eux, déplore souvent le développement rapide qui les prive de la station modeste et conviviale qu'ils avaient choisie. Mais laissons se dessiner l'avenir imaginé par les acteurs d'aujourd'hui en espérant qu'il est inattendu et porteur de promesses.